ça va passer. Comment vous avez fait qu'il déflore la là, c'est pour madame Boyer. Moi-même, je prends la rue, je suis un prêtre vaudou, un catholique vaudouisant, je viens là pour madame Boyer, le secrétaire général du Parlement. Moi-même, personnellement, si je connais madame Boyer, non bagaille, X ou Y, je ne suis pas là. Et moi, je dis, j'ai besoin de libération, madame Boyer. Quelle que soit la condition, si les Kouanan, besoin de libération, madame Boyer. Et ordre de libération depuis hier après-midi et jeudi à la madame Braille supposé libérer. S'il pas libéré, nous avons l'autre étape. Et l'autre étape, nous prenons la machine là-dedans, la poudre là-dedans, la loi là-dedans, la job là-dedans. Et dans l'optique, ça me salue tous les collègues policiers parlementaires qui sont leaders depuis le jour de l'arrestation de madame Braille jusqu'à jeudi. Arrêtez-nous quoi qu'il est arrêté là. Et madame Braille, jeudi, elle va être 7 jours en prison. Je dis à la SNJ. Même pas qu'on ait un ancien reproché. Mais qui s'en reproché? Je reproché le désac corruption dans le Parlement haïtien, il va qu'on ait un bagage comme ça. Madame Boye prend poste là. En 2023, dans mi-temps 2023, il y a 11 mois, quelques jours dans le poste là. Il n'y a pas qu'on rien dit tout. Ouais, moi-même, ma connaître avec nous, la presse parle et puis télévisée. Depuis me font lampe. Quand on nous entend, ma petite sous 3 jours. T'as dit pour nous. Ok? Et moi, d'être avec nous, me dit nous ça. Secrétaire général là. Secrétaire général là, c'est un monde qui est intègre. Il va entrer dans la vie dossier. Et. Moi, connais. Moi, nous avons mais nous-mêmes, les employés qui là. Nous venons voter 6 points, nous, par secrétaire général là. Parce que je connais aujourd'hui, il faut libérer quand même. Qui ça a reproché même? Bon, ça a reproché là, c'est pas ça, oui. Ça a reproché là, c'est la corruption, ça, c'est pas ça. Et l'IPATAP dirige le Sénat, l'IPATAP donateur pendant le sénateur qui est là. Le sénateur, c'est eux qui sont donateurs. Et l'administration qui est gérée, l'administration gérée, c'est Kester, le président. Après, le président, Kester a servi avec mon secrétaire général aux affaires administratives. C'est lui qui est au courant de tous les dossiers. Mais le secrétaire général, là, qui est là pour en Assemblée nationale. Chaque lettre qui est Assemblée nationale, secrétaire général, là, pour le faire, pour tous les sénateurs, faire séance normalement. Mais c'est, le secrétaire général, pas ton donateur. Et c'est pendant le sénateur où vient aller. C'est pendant le sénateur où vient aller. Et puis qu'on y a une brochage. Et il va qu'il va gagner un an depuis le brochage. Si on gagne un bagage ou café on travaille au café pendant le brochage là. Moi je pense que le juge instructeur. Je pense que le juge instructeur est prêt à le travail pour mettre les tout coupables, pour punir les coupables. Comme étant donné que hier, toute décision était déjà prise pour madame l'a été libérée, nous connaissons que dans ce cabinet de décision qui était arrêté, le juge l'a payé ordonnance, mais c'est le parquet qui vous paye ordre de libération. Nous ne connaissons pas si c'est mal ou mauvaise compréhension, ou bien mal entendu à côté. Avocat titulaire qui t'a défendu madame là parce que l'autre avocat n'est pas présent. Ce matin, à l'arrivée là, ici à finale pour faire verbaliser acte de libération, il y a une question de problème. Mais étant nous donné que nous connaissons madame Braille pas pour famille. Madame Braille, c'est pour nation et pour les 10 départements, y compris 11e là, parce que son monde qui a 30 ans. Dans la carrière comme l'État, et près de 24 ans à 25 ans, pour même monde. Y compris moi-même, je dis, non, c'est parce que c'est formateur. Et moi, tout engagement. Parce que je connais une femme qui est intègre. Et c'est la dernière réserve dans la génération comme femme qui était dans le pays. Étant donné que avocats ont déplacé et accompagné un ensemble d'employés dans le paquet, nous t'en souhaitons, secrétariat paquet, comprendre la situation, comprendre que la patrie, les professionnels ont visé Angers. Depuis 8 jours, madame, nous n'avons pas dormi pour nous faire et puis nous-mêmes, nous avons été sous place
pour nous donner libération. Madame Boyer, à la Cali, à y reposer dans les jours à venir pour réintégrer à fonction et à vaquer à toute occupation libre et libre. Merci. Présentation pour nous. C'est maître Bernard Forestal. Bon, au niveau du dossier, agent maître Joly Sotino tout à l'heure, ça veut dire qu'on dit erreur la dame, donc c'est ça qu'on a essayé de corriger là. Pour y a la bonne dit nous, c'est vrai que juge Merlin l'a fait arrêter madame, non? Dans quel niveau de dossier a-t-il? Nous avons une ordonnance déjà, mais on connaît comme procédure la libération, il faut que nous gagnions et visa parquet avant même que la libération soit faite, parce que je bien que les gens qui sont prison là, c'est pour le parquet à gagner. Donc il faut que nous gagnions vu la loi d'empêche là avant même que nous fassions la libération. Ok, donc c'est ça qui vient comme petite erreur que nous-mêmes avons corrigé là. Erreur à quoi de sortir exactement? Bon, c'est pour erreur, non, ça veut dire en termes de procédure. Parce que ça, donc ordonnance seulement pas suffit pour faire libération. Donc, après ordonnance, il faut que nous ayons vu la loi d'empêche. Donc ça veut dire pas qu'il faut qu'on bat nous en libération, c'est ça? Oui, mais je pense que c'est tout ça nous est là. C'est ça qu'on a fait là. Donc il faut que madame nous a libéré aujourd'hui. Mais si vous avez une libération, ce qui base nous dit qu'il faut que nous a libéré aujourd'hui. C'est parce que nous avons bien mis. Parce que le commissaire gouvernement va garder le pas de parole. D'autant que c'est pour un dossier qui est susceptible à appel. Donc c'est pour un dossier qui va le voir. Il y a quelqu'un appel qui fait sur lui et de la part et de Mounio. Donc, la famille, ça veut dire que c'est un problème pour nous. Mais toutefois, madame Nani, après qu'elle est disponible pour la justice? Bon, bien sûr, au contraire, et c'est un cas de dossier, ça, c'est vrai que on attend le suivi. Mais je pense que c'est à le moment où nous remercions les magistrats, le fait que les comprennent sa passé, parce qu'il faut qu'on dise, l'administration publique haïtienne n'a pas le même type de fonctionnement avec le Sénat républicain. Décret 2005 qui organise le fonctionnement et l'administration publique là, le Sénat de la République lui gagne de l'autre aspect pour tenir compte de eux. On a parlé de règlement intérieur Sénat par exemple. Règlement intérieur Sénat, il fait un ensemble d'obligations que peut-être l'autre monde qui n'a de l'autre niveau dans l'administration publique, par exemple, qui n'a un ministère, qui n'a de l'autre dans une direction déconcentrée, ou dans la primature, dans le palais, peut-être qu'il va bien pour soumettre le même type d'exigence à eux. Mais le règlement intérieur Sénat, il y a des exigences que le faire, qui fait que le secrétaire général Sénat a gagné des responsabilités, c'est vrai. Mais c'est vraiment à partir du départ des sénateurs que les gagnants pleine et entière responsabilité. Ça veut dire pendant que un sénateur dans l'espace, c'est l'Assemblée, c'est le président et le questeur du Sénat, même Jean-Bouchard député à tout, qui gagne responsabilité, qui gagne charge pour mener boîte là sur le plan législatif et puis sur le plan politique. Donc c'est pour vous dire que, même monde qui a passé l'audio, c'est le président du Sénat, c'est le questeur du Sénat, et plutôt gagne l'Assemblée, parce que pas bien, nous connaissons que l'Assemblée a lui-même dit prendre des décisions qui même dépassaient pour moi. Donc c'est ça. Mais le magistrat lui-même lui comprend ça et puis il fait droit à demande que de faire. Hein. Je pense que c'est très bien. Donc c'est le moment de nous remercier le magistrat parce qu'ils comprennent que c'est qu'il y a une mauvaise interprétation et que l'administration publique haïtienne n'a pas le même type de fonctionnement avec le Sénat. Sinon, il y a de l'autre bagage pour prendre en compte, il y a de l'autre élément pour prendre en compte. L'on a parlé du Sénat de la République. Même j'en ai parlé de la Chambre des députés. Rappelez-nous qui ça a été reproché, Crion là. Vous reprochez? Crion là, qui ça a été reproché? Qui ça a reproché? Bon, je pense que nous au courant de ça qui t'a dit. C'est pour ça que nous rappelons. Nous sommes au courant de ça qui t'a dit. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut que nous fassions deux précisions pour nous dire que madame là, il prend charge à partir du départ des sénateurs restants du tiers du Sénat. Donc à partir de deuxième lundi janvier 2023, donc il y a une charge que l'administrer, c'est pas ça. Mais avant ça, il y a un sénateur, il y a un président du Sénat qui est fait, c'est eux-mêmes qui gagnent charge pour administrer l'espace là sur le. Alors, pour faire administration et pour faire politique dans l'espace. Vous voulez dire, ça y est accusé là, ça que l'ULCC est accusé là, il n'y a pas grand. Non, l'ULCC n'est pas accusé. Non, accusation qui tombe sous le dollar, il n'y a pas grand. Non, l'ULCC n'est pas accusé. Bon, et ça, surtout tout à l'heure là, je vais vous parler ça plusieurs fois. Moi, je dis que sur ce point, donc, il a toujours été gagné une mauvaise appréciation et que le magistrat a tenu compte de ça. Et que il choisit. Alors, madame n'a toujours été disponible pour la justice. Pour tout et nous, je vous remercie beaucoup. Non, nous faisons parler de ça. Okay, merci beaucoup. C'est mettre en avant.